GG! Bon bah les gars, on aura gagné le dernier game. On remonte à 18 euros. Le problème, c'est que j'en ai gagné deux. Et il y a un dicton qui dit jamais 203. Du coup, je suis obligé d'en relancer une juste parce que... Allez, jamais 203. Moi, c'est... Moi, voilà. On m'a toujours dit jamais 203. Moi, j'y crois. Après, il n'y a pas de souci. Je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Hein, c'est... Mais bon. Yes, merci pour la hauteur. Non, mais vas-y, c'est bon. Hein. All-in, hein. C'est bien all-in. Ah! Ah! Oh! J'ai tellement de chance! Mais c'est incroyable d'avoir autant de chance! À chaque fois que je fais un. Ça fait 5 fois que je fais un all-in avec une paire en main et je touche le brelan. C'est incroyable d'avoir autant de chance! C'est incroyable d'avoir autant de chance, les gars! Je suis un chatteux! C'est ouf! C'est ouf d'avoir autant de chance que moi. Allez, ciao les gars. Allez, un coup. En un coup, j'ai bust les deux. Merci à tous. Bien le bonsoir. À bientôt. Easy. Vous connaissez le proverbe jamais 304 ou pas? Bon, je l'ai appris hier. Un petit proverbe qui dit jamais 304. Du coup, stop. J'arrête. Promis, en vrai. Jamais 304. Jamais. Bah, tu connais pas le proverbe jamais 304? Ouais. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, toi? Jamais 304, elle est incroyable. Faut la. Ah, ah ouais. Il a all-in. Donc, lui, il a all-in avec 5 et 6. Super. Tu veux me all-in ou pas? J'y vais là. Ok, allez, vas-y, go. Allez, on y va. On y va. All-in. Tu me dégoûtes. Tu vas miser parce que tu veux me bluff l'as, mais... Moi, je vais miser parce que je te bluff le 10. Ça te va ou pas, quand même? Ok, c'est cool. Mais mec, tu viens de me all-in avec 9 et 5, mais t'as cru que j'étais ta pute? Il m'a all-in avec 9 et 5. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Tu sais qui je suis, moi? Mais bon, là, il va all-in, je le sais, voilà. J'aurais pu le pré-shot, hein, mais bon. Mais il est fou, à me all-in comme ça, avec des mains de merde. Ça va, ou quoi? A 5, all-in. Mais mec, tu me call all-in avec Valet 9, mais t'es malade! T'es un fou furieux, mec! Tu es un fou furieux! Bon, les gars, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais il y a un proverbe chinois de base. Alors, à la base, c'était un proverbe tibétain, mais c'est devenu un proverbe chinois qui dit si vous gagnez 4 fois d'affilée, vous gagnerez la 5ème fois. C'est un peu hein, l'équivalent d'un jamais 405, tu vois ce que je veux dire? Bah voilà. Bon, c'est un jamais 405, c'est assez connu. C'est assez connu dans le. Bah, dans le milieu, enfin, c'est. Voilà, les... Beaucoup des joueurs... Oui, je connais. Jamais 405, c'est vrai. Voilà. Moi, à la base, j'avais un... Je suis parti, j'ai habité au Tibet pendant pas mal d'années. Et j'avais un moine, c'était mon prof. Et voilà, c'était un moine très réputé dans le village. Et il avait coutume de dire jamais 405. Proverbe de Xiaoping Pong... Ouais. C'est... Voilà, c'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est pas mal. Jamais 405. Bah, c'est connu, hein. En France, on le dit pas assez, mais c'est un proverbe assez connu, mine de rien. Je connais un proverbe, c'est « Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. » Ouais, bah ça, c'est un proverbe que j'ai l'habitude de dire, et j'utilise surtout, dans tout ce qui... Jamais 506, je sais pas si tu connais. Alors, je le connais, mais il est assez peu fréquent. Mais il existe, effectivement. Et de toute façon, je vais te dire, hein, À la fin de cette partie, je vais te dire, mais... Je sais, voilà, jamais 506, c'est un proverbe qui est pas mal. Mais il est... voilà. Tu peux pas l'utiliser dans beaucoup de situations. Après, c'est vrai que, voilà, pour revenir sur le haut, Jaja, y a pas moyen, Jaja. C'est vrai que, voilà, moi, à la base, ce proverbe, il vient de Colombie. C'est mon oncle, en fait. Il est dealer de drogue, en fait.
il a travaillé avec Pablo Escobar et tout, tout ça. Et voilà, puis c'est vrai que avec, surtout avec Pablo Escobar, ils avaient coutume de se parler comme ça. Donc ça vient surtout de Colombie. Et c'était, voilà, de base, c'était Pablo Escobar quoi, qui disait ça avec ses... avec les petits bouffons quand ils essayaient d'augmenter les prix de la drogue. En fait, bah, c'est... logiquement, ça passe pas, c'est logique. Jamais 506, proverbe de Joe Lavariance. Oui, alors jamais 506, c'est un très bon proverbe de Joe Lavariance. Voilà, pour l'instant, jamais 405, très très bon proverbe qui me porte chance. Jamais 506, normalement, c'est Joe retournement de situation. Bac plus 5 en mytho, il est très 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 fort. Ah, on est solide. Donc là, par exemple, je te all-in parce que j'ai une paire d'as en main, tu vois. Là, t'as peur, tu te couches. Logique. Mais voilà, non mais donc, pour revenir sur tous ces petits proverbes, dans le... ok, c'est cool. Non mais voilà, après il y a pas de... Ouais. T'as un petit gutshot pour la quinte. C'est cool. Bon, double paire, 6-10, je pense que t'as rien. Hein. Sinon t'aurais misé. Allez, à bientôt. Hop, on a touché le 9. T'es pas à l'aise, je te sens en panique. Je te all-in. All-in. Allez. Donc voilà, donc pour revenir sur ce... Voilà, donc comme je disais, le fameux jamais 5-106. Hein, voilà, donc là on est à 5 viseurs d'affilée. Donc c'est le... Bah c'est le moment idéal pour mettre en place ce proverbe jamais 5-106, qui donc est un proverbe, comme je vous dis, qui vient toujours de Tibet, mais là c'est plus profond. On se rapproche plus de la Chine orientale, celle qui s'est exportée au niveau mondial dans les années 90, quoi, tout simplement. Le fameux 607 vient du dieu de la chatte. Ah ouais? Ok. Bah c'est mon gadjo, le dieu de la chatte, c'est mon pote à la base. Hein. Comme vous pouvez le voir. Ah. Alors. Ah. Ah ouais. Bon, bah pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Jamais 506 qui s'avère être fort solide sur les appuis. Waouh. C'est le all-in, mec, je suis désolé. Tu veux all-in? Ah, tu veux all-in. Ah, j'ai touché l'as. Je suis désolé, j'ai touché l'as. J'espère que tu m'en voudras pas. Donc voilà, donc pour revenir sur ces expressions, donc là, voilà, le jamais 6 107, voilà, c'est une très très bonne expression, mais qui, voilà, qui remonte à pas mal d'années, hein. Il s'agit quand même d'un proverbe russe de la fameuse roulette russe, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui on en est là, quoi. Donc voilà, jamais 607, le dieu, mais je vous l'ai dit, le dieu de la chatte, c'est mon pote. Est-ce que vous voulez que je vous montre est-ce que le dieu de la chatte, c'est mon pote? C'est maintenant. Le dieu de la chatte, c'est mon pote, c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu de la chatte, c'est mon pote. Allez. Allez. Allez, le dieu de la chatte, c'est mon pote. C'est mon gars Joe. C'est mon gars sûr. C'est mon petit ami. On a eu une relation assez particulière quand j'avais 10 ans. Et depuis, on a gardé contact. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est juste histoire de vous prouver que... Voilà. Le dieu de la chatte, c'est... Bah, c'est mon ex. C'est mon ex. On a gardé... On a gardé des liens assez proches. Et puis voilà. Et puis voilà, y a pas de soucis, ça allait arriver. Non, parce que le dieu de la chatte, c'est un pote à moi, c'est un taquin, c'est un mec qui aime bien rigoler. Du coup, il m'a donné le valet à la river, mais en soi, y a pas de soucis, plutôt logique. D'être le petit nouveau, oh. Arrête. Allez, donc, ce que je vous disais, voilà, le fameux jamais 708, voilà, très très bon proverbe. Après, alors, n'empêche que depuis tout à l'heure, on s'amuse, on rigole, mais j'ai pas fait une seule game positif. Hein. C'est que des games à 2-0, ça pue la merde. Hein. Genre, et encore, je viens d'enchaîner 8 games d'affilée, il y en a pas une à plus de 2-0. C'est chiant. Bon, donc voilà, le fameux jamais 708, donc comme je vous disais, vient d'Inde. Et c'est, voilà, c'est par rapport aux vaches, qui est un animal sacré, on respecte beaucoup. Et du coup, quand on croise une vache, on s'amuse à dire, bon bah, on s'amuse à dire rien, on respecte. Mais quand il y a un troupeau de vaches, on dit, oh, 6, 7, bon bah, jamais 708. Et en général, il y en a une 8ème qui arrive. Du coup, là, ça, voilà, ça devrait pareil pour les victoires. Là, on vient d'enchaîner 7 wins d'affilée. Donc en général, on enchaîne une 8ème victoire d'affilée. Ce qui est classique. Bon, c'est pas la paire d'as dont on rêvait, mais... Ah!
Ah. Ah. Ouais. Bah, c'est... Ouais. Là, il nous a... Ouais. Ça, c'est... C'est le karma, ça. Ça, c'est bon. C'est le retour. Il y a un moment, on peut pas tout gagner. Bon, par contre, on avait As-10, il avait As-5. Il a touché le full, quoi. On va check. Waouh, il a la dame. Allez, on arrête, c'est bon. C'est bon, on arrête. GG. Voilà. Bon, on aura fait 7 victoires consécutives.